Et yo tout le monde les gens, c'est The Dragosab, on se retrouve, c'est lequel, 32e je pense, épisode de Let's Play sur Pokémon Ranger. Donc c'est parti, là il fallait qu'on aide le mécanicien à trouver les pièces manquantes. Donc il nous suit, hein. On est à île OET évidemment. Allez, donc il faut aller ici, trouver les pièces de l'aquabulle. Les pièces sont tombées dans la partie ouest de la jungle. Je ne connais pas la jungle. Je vais vous suivre, d'accord? Ah! Oh, un insecte, sauf qu'il peut! Oh là là! J'ai oublié de préciser que je ne supporte pas les Pokémon du groupe insecte. S'ils nous touchent, je ne pourrai pas empêcher de m'enfuir en hurlant. Je suis très sérieux, je ne pourrai pas m'en empêcher. Allez, petite capture pour se mettre dans le bain, s'échauffer un peu, si je puis dire. Allez. Orko, t'es qu'un Orko quand même. Voilà. Ça coûte rien de les choper un peu. Je vais mettre ma... Vous voyez pas tellement parce que là, en fait, il y a un truc, c'est y a le haut de mon lit qui cache un peu la vue. Bon. Alors, il faut aller par où? Un peu trop de chenipotes. Donc là, il faut aller par là. Ok. Je vérifie quand même que le micro est activé. Ok, nickel. Parce que ça peut m'arriver de faire des vidéos où je suis mute après. Est-ce que c'est la zone dégagée après le Ronflex? Peut-être, hein. Peut-être c'est ça, en vrai. C'est ce que je suis en train de me dire. En vrai, de vrai... Mais oui, le Ronflex est parti. Charmillon. Oh, insecte, sauf qui peut. Mais t'es sérieux? Ah, il m'a fait revenir au début. Mais il est sérieux, ce chien. Mais il saoule. Je peux même pas aller choper. Je veux choper Charmillon. Oh, vivement que tu sois plus là, toi. Casse les pieds. Mais il est lourd. T'es chiant. T'es juste chiant. On n'a pas le choix. Mais il est relou. On l'a passé. Il y a trop d'insectes. Non. On l'a passé. Oh là là. Oh, il est relou, il est relou, il est relou. Vas-y, rentre, tu peux aller. Bon, vous allez voir mon petit frère rentrer, c'est pas grave. C'est pas dérangeant. Bon, il faut tout dodge, les insectes. Vas-y, n'ai pas peur, hein. Mon petit frère qui va rentrer. Oh, il m'énerve. Il faut dodge les Pokémon insectes, c'est chiant. Mais punaise, je regardais pas. Bah, il sait quoi, il m'énerve. Allez, dégage. Je vais tilter là. On galère sur un truc de. Faut attendre qu'il se barre. Voilà, là c'est bon. Tac, tac, y'a trop d'insectes. En fait, faut pas que les insectes nous aggro. Si on se fait agresser par un insecte. Mais t'es mort! Une galosse de chien de merde. Araignée de merde. En fait, c'est vraiment ça. Toi aussi, t'as peur d'insectes. T'as qu'à dominer ta peur, je sais pas. Casse les pieds. Bon. On va y aller mollo. Charmillon, il nous laisse passer. Cool. Deuxième Charmillon. Le Migalos. Oh!
c'est la galère. Et on arrête d'accélérer là. Oh, putain. Oh, on a eu chaud. Pas fini, c'est pas fini. Oh oui. Oh oui. On l'a passé. Attends. Il y a un truc ici. Ah, Macronium. Il va me dire que je peux pas le choper, ça. Techniquement, c'est pas un insecte, Macronium. C'est un type plante. Bon, dans le doute, hein. Borne de sauvegarde. Allez, hop, on sauvegarde ici. Parce qu'on en a une, j'ai quand même envie de tenter de la sauvegarde. J'ai pas envie de prendre de risques. Les voici, ce sont les pièces manquantes. Les Magikarp. Oups, j'ai frappé un Magikarp. Quel con. Je n'en veux pas au Magikarp d'être énervé contre moi, c'est de ma faute. Vous voulez que je m'en occupe? Non. Un Léviator. C'est vrai qu'on n'en avait pas rencontré des Léviators. Je n'en veux pas au Léviator d'être énervé contre moi, mais c'est trop pour moi. Pouvez-vous vous en charger pour moi? On va sauvegarder. Donc on va devoir affronter un Léviator avec des Magikarp autour. Est-ce que c'est un combat de boss? On va voir. On verra bien. Ne jetez rien dans la mare. Protégez la nature et votre réputation. C'est parti. Et c'est quoi la musique? C'est un combat de boss. Ok, bon, ça va être dur. Il est vachement grand, Léviator. Alors, il met un temps quand même assez... Il met... Ok, j'ai capturé... On va choper les Magikarp un par un. Il met un certain temps avant d'attaquer, je trouve. En fait, il est trop grand. Allez, on va... tours pour Léviator. Ok, 10 tours. Ça se fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Dommage. Faut vraiment qu'il... En vrai, Negapi et Pokéhead à la fin, c'est bon, là. Mais il faudrait d'abord choper les Magikarp là, au début. C'est quoi cette capture qui veut rien dire? J'aurais pu. En fait, j'ai peur qu'il réattaque une seconde fois. Putain. Non. Allez. J'arrive pas à choper de Magikarp. Ah. Oh, pas mal ça. Mais t'es chiant, hein. Allez, ça brille. Attendez, je vais me poser deux secondes. Oh, j'aurais pu avoir les trois, ça aurait été tellement chouette. Il va attaquer. En vrai, il met quand même... Je peux taper des tours en plus, hein, quand il attaque. Faut pas que j'y... Faut pas que j'ai peur à ce niveau-là, quoi. Presque comme un Léviator. Un Léviator, c'est un Pokémon assez strong. En tout cas, il va pas sous l'eau. Il reste... Ok, un en plus. Encore deux Magikarp. J'ai réussi à... Voilà. Il est pas dur, hein. C'est juste que quand ils sont nombreux, c'est dur de les choper un par un. Attaque, vas-y, balance ton dos. Ok. Je
Non, je l'avais. Sabri, t'avais... Bon, l'avantage, c'est que dès que j'aurai chopé les Magikarp, Negabi pourra paralyser Léviathan. Ça, c'est un truc à savoir. Vas-y, balance ton nœud de merde. Allez, un en plus. Encore un Magikarp et c'est fini. Vas-y, lance, charge, vas-y. Attaque deux fois, ok. Plus que Léviator. Ok, vas-y, attaque. Il faut faire des tours. On va essayer de le faire sans la Pokéhead. On fait le beau jeu. Y'a moyen, y'a moyen. Vas-y, balance. Il attaque vite, hein. Ok, si tu veux. Non. Non mais viens au bord, enfin au bord, pardon, va au milieu plutôt. Ah. Léviator de merde. Mais il va vite, en fait c'est chiant. Il est grand, en fait il est grand. Il est grand. Mais pourquoi? Oh, tu sais quoi? Eh, on n'est pas là pour niaiser. Vas-y, viens. Negapi. Non, il l'a paralysé au bord. Oh, c'est terrible, j'ai envie de me pendre. Bah, on est mort. Non, je peux l'avoir. En vrai, je peux l'avoir. Bon, on va l'avoir sans la Pokéhead du coup. Sabri, pourquoi t'as fait ça? On va faire comme avec le Drattak. Comme avec le Drattak. Les boucles assez grandes. Mais il est grand, hein. Ah putain, j'arrive pas. Non, il restait un tour. J'ai eu peur qu'il balance son attaque. En fait, faut pas qu'on ait peur. Vraiment, genre... Il est pas compliqué, moi je le trouve pas compliqué. Bon, là c'est juste qu'on a raté. Mais... Ok. Vas-y. Non! Va au milieu de l'écran. Reste au milieu de l'écran. Bâtard. Mais va au milieu de l'écran, je te dis. Poiscaille de mort. M'en fous, la technique c'est quoi? C'est de charger le négatif. Encore une fois, ça se joue à un tour. Je le veux sans la Pokéhead en vrai. Voilà! Voilà! Je suis capable de ça quand même. Bon, vous avez vu? Avec la Pokéhead, enfin, sans... je pense que j'aurais pu réussir facilement, mais là je l'ai réussi facilement. Enfin, facilement. Un peu chiant quand même, mais il se capture quoi. Voilà, voilà. J'avais entendu parler de vous. Mais vous vous débrouillez mieux que je ne le pensais. Ces boucles là, c'était impressionnant. Super, les pièces, les pièces.
Ça y est, je vais pouvoir finir mon travail. L'aquabulle va bientôt reprendre du service. Courage, Ranger. Je suis désolé pour ce qui est arrivé avec les Magikarp et le Léviator. C'est de ma faute. J'aurais dû faire attention. Désolé. Vous avez calmé les Pokémon en les capturant. Merci beaucoup. Je vais rentrer et finir de retaper l'aquabulle. Il sera bientôt prêt. Bon, c'est pas une mission, du coup, je vais pas daber. Pas faire de dab. Voilà. Ok, bah cool. Oui, on sauvegarde, évidemment. Et on va stopper la vidéo ici. Parce qu'on a fini du coup. Bon, Léviator, un petit boss quand même sympa. Ça va. C'est superbe que tu aies retrouvé les pièces. Notre mécanicien a dit que c'était pour lui un plaisir de réparer l'aquabulle puisqu'il le fait pour toi. L'aquabulle devrait bientôt être prêt. Voici ta prochaine mission. Sabri, tu dois amener l'aquabulle à Bourg-l'Hiver. Je vais contacter le ranger en chef local, c'est une femme. Elle s'appelle Frida. Elle est froide et très distante. Mais peu importe, bonne chance pour ta mission. Voilà, donc la mission, c'est la dernière ville du jeu. On approche de la fin, les gens. Voilà, donc on va sauvegarder là, et on fera ça dans le 33e épisode. 33e épisode, le prochain, on continuera l'épisode. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis, bah, laissez un pouce bleu, mettez un commentaire, tout ça, et à très vite pour la suite. Allez, c'était un plaisir. Et je vous dis, ciao ciao.